Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Hier soir, j'ai reçu de la part d'un Russe une image d'un jeu de Once Game déjà modifié et on s'est dit qu'aujourd'hui, je vais reproduire la même chose dans la vidéo. Le nom du jeu en question, c'est Money Wheel. Pour vous mettre dans le bain, voilà ce que ça donne comme image du jeu déjà modifié et l'image du jeu non modifié. J'espère que vous le connaissez. Du coup, moi, j'ai même pas hésité à relever les défis. Bon, les gars, let's go. Rendez-vous sur mon écran et on commence tout de suite. Mais avant qu'on ne se plonge dans la modification, veuillez voir comment ça fonctionne le jeu en mode normal. Vous voyez? Money. Oui, voilà, c'est ça. Money Wheel. Du coup, bon, je vais essayer de passer le test, voir comment ça fonctionne en mode normal. Ok, d'abord une rotation. Ok, je vois. Du coup, j'ai perdu. Il n'y a pas de problème pour ça. Nous voulons juste voir comment le jeu fonctionne. Du coup, j'ai une idée maintenant. Maintenant, je peux aller dans son code source au calme pour avoir une idée. Ok, let's go. Ok, maintenant je suis sur mon interface. Bon, j'ai le choix d'utiliser APK Tool M ou MT Manager VIP. Bon, si j'avais décidé bon, entre les deux, c'est juste pour pouvoir traduire Smiley toujours en Java. Hein. Mais si on regarde très bien, on verra que ça n'a rien à voir, la modification n'a rien à voir avec le layout en fait. Du coup, on ne va pas utiliser APK Tool M, je vais utiliser MT Manager. J'autorise. Oh no, thanks. Ok, maintenant je vais choisir le dossier dans lequel se trouve mon fichier. C'est dans l'autre toujours. 21h. View. Classe 17, oui. Toujours la référence des jeux Once Game, vous voyez. Ok. Voilà, com.ispace, once game, features. Ok, normalement, je devais avoir. Voilà, c'est ça, Money Wheel, quelque part ici. Money Wheel, donc je vais rentrer dans son dossier. Ok, au niveau de modèle, s'il y a quoi? Je sais pas. On a Money Wheel Coffs. Wow. Moi je pensais que ce sont des coefficients ou bien comme ça. Qu'est-ce que bon, on a fait dans la modification? Je pense qu'ils ont changé tout en 1100, je crois. Oui, quelque chose comme ça, 1100. On va voir ici. Oh non, rien. Toujours rien. Visiblement rien par là aussi. Au niveau de presenters, je vais voir. Alors ça, je peux traduire ça facilement ici. Non, rien à voir. Et si je pars directement dans le view. Ok, je vais traduire ça. Plus il y a beaucoup de données, plus il est fort probable de tomber sur quelque chose. Hein. Ici, ce que je vois, c'est que déjà dans les imports, on a random ici qui veut dire aléatoire. Et j'ai vu 360 quelque part ici. Ce qui concerne la rotation aussi, je crois. Mais ce que nous voulons changer, c'est pas la rotation. Je ressors. Money with fragments, je vais voir.
Oh, en bas ici, qu'est-ce que je vois? On a le bouton. Ici, c'est la visibilité, hein. Vous voyez? La visibilité, button set. Bon, ça veut dire que ici, le bouton sera visible lorsque le 8, visibilité avec le 8 sera activé. Bon, le bouton ne sera plus visible. Vous voyez? Ça va partir. Mais c'est pas ça qu'on cherche là. Nous, on veut modifier quelque chose de concret. Mais où ça peut se bien cacher? Waouh! Non, non, non. Au niveau du state, souvent il n'y a pas grand-chose à modifier là-bas. Waouh, je dois relever ce défi, les gars. Je dois le faire, je dois le faire. Mais comment? Où est-ce que je peux retrouver ça? Je vais encore retourner dans Models voir. Et quand on a quoi ici, bon, ça me dit quelque chose, mais. One eternity later. Avec MT Manager, bon, je suis un peu perdu. Donc, pour me retrouver, j'ai fait appel à APK Tool M. Oui, je sais. Je l'ai chassé naturellement, bon, mais il est revenu au galop, hein. Comme vous pouvez le voir ici, mais money will, vous voyez. Donc voilà, la petite sphère plutôt, qu'utilise money will, vous voyez. Donc ça veut dire que les numéros qui sont chiffrés à l'intérieur, bon, c'est pas combiné avec le pointeur ici. Donc on va chercher les numéros aussi, à part. Du coup, je reviens tout juste après, donc je vais mettre l'enregistreur en pause. Et dès que je vais retrouver là où se cachent les numéros, j'active à nouveau l'enregistreur et on continue. A few moments later. Et les gars, je suis de retour. Franchement, j'ai beau fouiller, mais j'ai pas trouvé là où se trouvent les numéros, les valeurs, 100 000. Bon, j'ai beau fouiller, mais j'ai pas trouvé. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça, je dois faire quelque chose. Du coup, bon, j'ai décidé de quand même retoucher la rotation pour voir. Vous avez compris, non? Du coup, je parle de les 360 ici, là. Voilà. Je parle de cette rotation de 360 là. Du coup, j'ai décidé de changer ça en combien déjà? En 180. Voilà. J'ai décidé de changer ça en 180. Je ne peux pas vous laisser comme ça, c'est pas bien. Du coup, je vais appuyer sur Search. Voilà. 360. Voilà, il est ici. La vraie valeur de 360, c'est ça qui est ici, que je viens de changer. Sinon, ce que vous voyez avec hashtag 360, c'est juste un petit commentaire qui interprète cette ligne en fait. Vous voyez? Du coup, si je sauvegarde, je peux aller vérifier si effectivement j'ai changé la 360 en 180. Reload. Ok, voilà. Maintenant, j'ai changé 360 en 180. Et qu'est-ce que je peux faire encore? Sinon, en ce qui concerne le challenge du début, j'ai échoué. Malheureusement, bon, j'ai pas pu. Mais c'est pas grave. J'ai quand même essayé. Moi, ouais, ça me plaît bien de l'avoir essayé. Je compile l'application. On se retrouve tout juste après.